Dann gab es Appeln. Vive le président Nguyen Van Thieu. Madame Thieu visite les prisonniers militaires libérés par les communistes. Accompagnée par les femmes de l'Association des femmes vietnamiennes, elle remet aux libérés des vivres et de l'argent. Et un message du président. Madame Thieu préside l'Association des femmes vietnamiennes. Elle s'occupe de cette fête des sœurs Trung, qui est la grande journée des femmes au Vietnam. Un colonel précise l'ordre des cérémonies. Une colonelle, chef de l'armée féminine, s'inquiète. On nous a donné des chevaux, mais nous ne savons pas si nous pouvons les monter. Est-ce que ça a été le coup de foudre, votre rencontre? Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là? Vous étiez étudiante? À l'époque où les Japonais occupaient Saigon, ma mère, effrayée, ne voulait plus que j'aille à l'école, de peur que je me fasse enlever. C'était réflexe de vieille dame, mais il fallait que je poursuive jusqu'à la fin mes études secondaires. Mais moi, je n'ai pas eu la chance de continuer mes études comme mes frères et sœurs. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez jeune fille? Est-ce que vous... Très traditionnaliste, ma mère voulait que j'apprenne à être une femme d'intérieur. Un grand nombre de prisonniers libérés par les communistes sont dans un état physique effrayant. Madame Thieu, accompagnée de sa fille, va les visiter à l'hôpital. Ah, vous êtes célibataire? Essayez de vous marier à votre sortie de l'hôpital. Je suis sûre que vous aurez beaucoup de succès.
Avez-vous été bien soigné dans les camps de prisonniers? Non, je n'ai reçu aucun soin. Quand avez-vous été capturé? Depuis le 7 avril 72. Une journée chargée. Tout de suite après le Conseil des ministres, Thieu préside un conseil réunissant tous les responsables civils et militaires de la pacification. Nous entamons notre plan de pacification de l'année 1973. Nous allons travailler énergiquement. Si nous ne suivons pas le plan de travail, nous serons en retard. N'ayez pas peur, c'est un cadeau du président. D'où vient ce petit? Il a été capturé avec son père. Maintenant, vous allez l'envoyer chez les sœurs. Mettez votre fils chez les sœurs. Lorsque vous serez libéré, vous irez le chercher. Le soldat préfère garder son fils avec lui. Chrétienne, quel rôle Madame Thieu a-t-elle joué dans la conversion de son mari, né dans une famille bouddhiste? Elle n'a fait aucune pression, mais indirectement peut-être, elle a joué un rôle parce que c'est en l'accompagnant à la messe tous les dimanches que peut-être le président a reçu la lumière. Thieu est un passionné de photographie. Quand il a le temps, il développe lui-même ses clichés. Tout à l'heure, il y avait un type qui voulait me photographier. Il avait le capuchon sur l'objectif et en même temps ses deux mains. Ici le président Lee, les journaux de l'opposition. Je parle avec les pêcheurs, avec les ménagères, les vieillards, les jeunes, les petits écoliers, les jeunes filles qui me saluent comme ça. Les tontons sont très beaux, je m'arrête là. Les tontons sont vieux aujourd'hui, je m'arrête. Il y a plus de cheveux blancs cette année-ci que l'année, je m'arrête pour leur parler. Ça, c'est formidable. Donc, pour sa première visite officielle aux États-Unis, Thieu a fait acheter un Boeing par Air Vietnam. Écoutez, on va appeler l'avion présidentiel Peaceful Cooperation. Coopération et pas collaboration. Peaceful tout petit en bas et coopération très gros en haut. Je crois que l'homme qui nous connaît le plus Vietnam, qui a parlé le plus souvent à la présidence, c'est moi. Je n'aime pas le palais. Pas ce type. Même dans le palais, je bouge tout le temps. Ce palais a été construit par son prédécesseur, Go Dinh Diem, sur les plans d'un architecte vietnamien Grand Prix de Rome. Thieu s'en échappe chaque fois qu'il le peut, empruntant un des trois hélicoptères qui stationne en permanence sur la pelouse. Homme du grand air,
Il aime se rendre sur le terrain, constater par lui-même comment se passent les choses. Les cailloux blancs, ça représente la mer, et puis la plage. Alors ça, en caractère chinois, c'est Tom. Tom, c'est le cœur. C'est le cœur. Alors comme le palais a la forme de ce caractère chinois, il faut compléter. Là, ça, c'est fidélité. Dans les maisons vietnamiennes, là où il est possible de le faire, certainement, surtout dans les générations de mon père, ce petit jardin, c'est le centre de la vie quotidienne pour Thieu et sa famille. Ses appartements sont disposés tout autour. Un bureau très propre, je l'ai. Je ne sais plus où trouver un édocine. Ni Ben Fou, mais si ton coin qu'on ne même pas pouvoir retrouver sur la carte, c'est un nom tout à fait inconnu. Chef de l'État, Thieu est aussi commandant des forces armées. C'est elles qui l'ont porté au pouvoir avant que les électeurs confirment le choix de ses pairs. Au Conseil des généraux, réuni au palais, Thieu déclare « La paix ne doit pas nous endormir. Restez vigilants. »